bienvenue en banlieue, frère. Wesh, frère, tu veux du chic? Eh, vous croyez quoi? Eh oui, j'habite en banlieue. Banlieue parisienne, frère. Précise. Comment ça préciser? Le lieu qui provoque la peur auprès des gens lorsqu'on en parle, à cause de ses clichés tout de suite rattachés. C'est sûr, hein, rien que pour les gens qui arrivent de quartier bobo parisien, par exemple, on comprend le choc, hein, rien qu'en arrivant dans le hall du bâtiment. Eh oh, tu sers pas la main? Ouais, tu connais aussi un peu franchement, j'ai un calme de ma mère. T'as senti le chien, tout ça? Ouais, il fait frère. T'as bossé à chinois, ça? Ouais, j'ai bossé, mais non, vas-y. En fait, Bah normal, ils sont en bas, ça galère, hein. Même moi, parfois, avec mes potes, sur un banc, on le fait encore. Y'a rien, frère. Ah, mais dis-leur aussi qu'au checker, on fait du sport. Et dis-leur aussi de pas proposer n'importe quel sport. Excusez-moi, c'est parce que moi, je joue au polo, en fait. Pardon, excuse-moi, j'aime le foot. J'adore le foot. Et au stade, t'as toujours un pote sans couvre-feu qui rentre pas chez lui. Enfin, rentre frère. Ça le clochard. Hein. Ouais bah c'est ça, cassez-vous là. Bande de prisonniers. Je m'en souviens, il y avait mon pote qui me demandait tout le temps l'heure pour rentrer chez lui, mais je lui donnais tout le temps une fausse info. C'était des bars. Et gros bordel à minuit dans le bâtiment. Parce qu'en plus, en banlieue, t'as pas un service GPIS comme à Paris. Tu sais, une unité spéciale qui intervient dans le quartier, si jamais il y a du tapage nocturne ou quoi dans les quartiers, non. Et là, tu dors pas, c'est mort. Et une fois, j'ai failli me faire cambrioler par un homme. Cette fois, c'était vraiment, vraiment chaud. C'était quoi, ça? Et ça crie partout, même au marché quand je vais faire mes courses. Mesdames et messieurs, on vend des fruits. Alors tu peux goûter ça? C'est bien, hein? C'est bien, vas-y, moi, bien. Disons que c'est pas mal. Et bien, voilà, et maintenant tu payes. Maintenant t'as goûté, tu dis-moi. Tu l'as vu, vous m'avez proposé. T'as goûté, tu payes. Voleur, voleur. Avez-vous seulement un numéro de serrurier, monsieur, pour traiter les gens de voleurs? Oui, j'ai un numéro de serrurier, oui. Ils sont des bars, nos commerces. Par exemple, notre épicerie, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Noël, la bonne année, Pâques, la fête des pitards, Halloween, l'armistice, Thanksgiving. Ah, c'est vrai, ça ferme à Thanksgiving. Tu as oublié. Et notre salon de coiffure en banlieue. Notre coiffeur, il nous propose 7 euros la coupe seulement. Par contre, t'as le choix qu'entre deux coupes. Numéro 1, dégradé. Numéro 2, partout pareil. Moi j'ai choisi dégradé. Bon j'avoue c'est un peu limité hein. Mais par contre si tu vas voir le coiffeur, tu lui demandes. Il va te dire qu'il y a une grande variété de choix, selon les tendances, selon les saisons. Eh rien du tout, y a pas de tendance ou saison. C'est dégradé ou partout pareil frère. Bonjour, c'est possible d'avoir cette coupe? Genre cloné, oui. Ah c'est super ça. Ça y est. Mais c'est pas partout pareil, ça? Non, c'est Georges Clooney, comme sur la photo. Ah, tant mieux. À bientôt. Une belle coupe pour être beau gosse, pour voir sa meuf et tout. Au quartier, t'es toujours le précurseur des meufs. Le premier mec du quartier qui sortira avec sa première meuf. Il rentrait au quartier, il nous expliquait tout ça et nous, on était tous autour de lui et tous à l'écoute. Moi, je t'ai avec ma meuf là, les gars, là. Si, c'est comment, là? C'est comment? Bah, t'as eu petit RERB, tout droit à la Fnac. Et donc, j'arrive dans la keuf, là. Normal, tu vois, la keuf, non, on rentre, pépère, bonjour monsieur. Tu vois quoi? Frère qui brille. T'as quoi? T'as fait ta quoi? Lourd. Après, ce qu'on a fait, j'avais 10 balles. Frère, 129, direct, que gré, bam. T'es sérieux, tu vois que gré? T'as avec une meuf, tu vois que gré, vas-y, change un peu, ouais. Ouais, c'est. Eh, t'es fermé d'esprit. Le grec de fou là. Ouais. Ah oui, lourd, t'as pris quoi comme sauce? Non, mais il est sérieux, il a demandé, t'as pris quoi comme sauce? Faut arrêter de kiffer, c'est pas une innovation le grec, ici il y en a partout, à tous les coins de rue. Mais des fois on se donne des faux espoirs parce qu'on voit une ouverture et on pense que quelque chose de nouveau va ouvrir. Excusez-moi, vous allez ouvrir un Apple Store?
Non, ça va être un Apple Kebab. Et ça va s'appeler l'iBab. C'est un nouveau concept. C'est entre l'iPhone et l'iPad. Bienvenue. Encore un grec. Par contre, pour les sauces, on joue vraiment la carte de l'originalité. Hein. Numéro 1 sur les sauces, tu veux pas test, frère. Ouais, ça commande un grec. Vas-y. Y'a quoi comme sauce? Ah, y'a vraie sauce, frère. Hein. Y'a ketchup, mayo, barbecue, poivre, cheese, Biggie, Tupac. Tupac? Non, je vanne, mais en banlieue, t'as un côté fraternel. Et franchement, tu peux toujours compter sur toi. Vas-y, frère, là, allume la play. Tu crois que tu vas faire des vues? Abonne-toi à la chaîne, frère. Fais pas le gamin. Et dis-moi dans les commentaires, t'es de quelle banlieue? Clique ici pour me suivre sur les réseaux sociaux et commence à regarder d'autres vidéos. On comprend le choc, hein. Rien qu'en arrivant dans le quartier, ouais. Tu dis n'importe quoi. Dans le hall du bâtiment.